tout le monde, c'est Camille pour l'épisode numéro 155 de Skyrim. Alors comme vous avez vu, j'ai commencé à retrouver ma voix parce que je suis toujours en malade, je suis toujours sur la même session. Alors, je suis le 10, 11 octobre. Vous êtes super loin, je pense que j'ai 15 épisodes d'avance, donc à peu près 15, ça fait 8, ça fait 2 mois d'avance comparé à vous. Vue de vampire, tiens, qu'est-ce que ça fait vue de vampire? Bah, c'est mortel. Invoquer Avrak. Bah, c'est toujours mieux qu'à pied, hein. Alors, d'accord. Oh, d'accord, il y en a plusieurs. On va commencer par celui-là. On en a 3 à se faire, hein, donc... Et la vue de vampire est quand même très pratique, mais ça se désactive au bout de combien de temps? Voyons voir dans les effets actifs. Invoquer 35 secondes, d'accord. Nyctalopie, 60 secondes. C'est mortel. Mais attends. Attends, mon grand. Vue de vampire, tac! On la met en 3. Bah oui. Ça va nous remplacer le sort lumière au final. Comme ça va me garder mes 2 mains de libre. J'aurais même pas besoin de changer de sort. Je change pas mal de trucs, hein. Je pense que vous en êtes rendu compte. Ah, ouais, on se rend quart d'oignon de vous. Pire les filles, occupez-vous. Double épée. Un gardien, d'accord. Oh, c'est pour un gardien. Oh la vache. Oh, elle est pas si pourrie que ça en fait. J'ai pas assez de magie, d'accord. On va faire un toucher apaisant. Ah, c'est ça qui est gênant en fait. C'est dès que j'ai plus de magie. Et ouais, c'est dommage, c'est dommage. On va remettre. Voilà, les pédis, on va l'enlever. Hein. C'est bien grandement dommage. Donc on va invoquer Avok. Arvak, putain. On va attendre de régénérer un peu la magie. Et en attendant, on peut se faire une impulsion. Voilà, ça fait 7 gagnés. Mais il est où? Oh putain. Fais chier ça. Fissure. J'ai récolté. Beaucoup trop théâtral. Qu'est-ce que vous voulez? Tu fais quoi là? Comment diable pourrais-je écrire mon opus si l'on m'interrompt de la sorte? J'ai déjà le volume 1. Opus, tu es celui-là? Bien évidemment. Si je n'avais pas perdu toutes les pages, je ne serais pas dans cet état et nous n'aurions pas cette conversation. Commençons par le commencement. Très bien. Je suppose que je peux vous accorder un instant. Je suis Jub. Certains m'appellent Saint Jub. D'autres m'appellent Jub l'éradicateur. Peut-être avez-vous entendu parler de... Bah ouais, j'ai ton bouquin en fait, c'est pour ça que j'ai entendu parler. Mais sinon, non. Votre réponse ne me surprend pas. Tant que je n'aurai pas publié mon second volume, personne ne sera au courant de mes prouesses.
Donc t'as parlé d'un livre. Un livre. Difficile d'employer ce mot quand on parle d'une épopée en 26 volumes. Oh, une encyclopédie. Vous avez sans doute entendu parler de la naissance et le déclin de Saint-Jube l'éradicateur, héros de Morrowind et sauveur des Dunmer. Non. Plutôt un titre plus court serait peut-être plus approprié, non? Peut-être que vous devriez laisser l'écriture à un expert et arrêter de faire des suggestions stupides. On est sur un, il y a un gros combat autour, hein. Et quand les travaux? Mal. Vraiment mal. Oui, tu as perdu tes bouquins. J'étais en plein travail d'écriture du second volume et ils m'ont jeté dans cette prison. C'est injuste. Prison, tu peux parler du crâne de l'âme? Le quoi de l'âme? Au nom de Vivek, de quoi parlez-vous donc? Mais t'es mort, là. Tout ce dont je me souviens, c'est ce maudit Vremora et ses serviteurs prenant ma maison d'assaut et m'envoyant dans leur prison. Un Vremora vous a capturé? Je crois bien, oui. Il s'est servi d'une sorte d'étrange cristal noir pour me lancer un sort. Ah oui. Instant d'après... Je me suis retrouvé ici. Ouais, une capture d'âme. Voilà. Mon quoi? Attendez. Ça signifie que... Que t'es mort, mec. Que t'es mort. Non. Tous ces mois gâchés. Peut-être même que ça fait des années. Je ne me souviens même pas combien de temps est passé. Je sais même pas en quelle, on est, quelle année on est. Maintenant, mon travail ne verra jamais le jour. Mon nom sera oublié. Ah bah, il est oublié déjà. Je peux faire quelque chose? Peut-être. Vous savez comment sortir d'ici? Oui. Mais... tu peux pas partir comme ça. Peut-être qu'il m'est impossible de sortir. Mais mes écrits, eux, le peuvent. Pour pouvoir écrire le second volume de mon opus, j'ai besoin des notes que j'ai prises pour le premier volume. Sinon, je devrais tout refaire de tête. Bah, on fait tout de tête, mec. Combien de pages? Quand on m'a jeté ici, j'ai eu l'impression de faire une chute. J'ai laissé tomber les pages que je tenais. Il y en avait... Il y en avait 10. Wow. Trouvez-les pour moi, je vous en supplie. J'en ai une. Ok. Bon, on s'en Merci fout. Merci encore d'avoir cherché. Allez. Ouais, on va pas rester là, mec, hein. Je suis désolé pour toi, mais pars à la recherche toi-même des pages. Parce qu'il y a un moment, j'ai autre chose à foutre, moi, quand même. Bon, d'accord, il y a rien. C'est quoi, ça? Qu'est-ce que ceci? D'accord. Je peux grimper? Ah ouais. Cœur de Dédra, fragment de fruchure, gemme spirituelle infinifiante, poussière luisante. Bon. Ah mais non. Qu'on me connaît. Tout à fait ce que je voulais faire. Comment on redescend? J'ai l'air un peu con quand même. Mec, ah le gardien il est là.
Ok. Oh la vache, ça va quand elle arrive, ça déménage. Pas mal ça par contre, ce principe de téléportation. Bon. Du coup on va tracer par là. Putain, faut que j'aille récupérer Avok. Arvak, putain. Tiens, on part de ça. Hop là. Ah, c'est l'un ou l'autre. D'accord. Bon, on va garder l'assassin. Est-ce que je peux accéder par là? Donc apparemment non. Je me tape le tour, c'est par où? Ah merde. Bon bah on va faire le tour par là. On va reprendre invocation de Arvak. Ça va être long sinon. Allez. Putain, y a de la route de ouf. Bon, c'est quand même plus rapide à cheval qu'à pied, hein. Le cheval se fatigue. Faut pas te remettre de la vigueur là. Normalement t'es mort, t'es une invocation, tu devrais pas te fatiguer cheval. Et si je fais un toucher apaisant, tiens, on va voir. D'accord, je peux pas. Bon bah je l'aurais tenté, hein, je voulais faire un toucher apaisant, ça lui permettrait de récupérer sa vigueur. Parce que mes sorts de soins remettent de la vigueur. Hein. Je vous le rappelle. On s'en approche quand même. On va finir à pied parce que ça va être chiant de réinvoquer, etc. Puis là on a l'air d'être dans les petits passages. Il est là. Coucou. Putain, il a une armure de plan dragon en plus. Enfin, l'armure ou draconique, je sais pas, mais la grosse armure. Eh, hey, je suis coincé. Voilà, merci. Alors, oh, une gemme noire sublime. Cool. Je fais vachement mal quand même. Alors, invocation de Arvak. Et c'est parti pour récupérer la mère de Serana. Alors j'ai du mal avec son nom, je crois que même dans un des épisodes, je sais pas si je l'ai appelé Serena au lieu de Serana. Je ne sais plus. Il est 17h17, c'est magnifique. Donc après cet épisode-là, moi j'arrête, puisqu'il y a le rugby. Voilà. Alors, je suis désolé, oui, je suis un taré de rugby. Vous savez maintenant. Je suis rugbyman. L'équipe de France qui joue contre l'Irlande. Oui, donc deux mois avant, vous avez déjà la score du final et tout le bordel, mais moi je l'ai pas encore. Je suis encore en live. Allez mon pépère.
Allez, bordel! En fait, tous mes sorts, je les ai quasiment mis en favori. Bon, il n'y a plus le gardien, normalement le portail, la prison n'est plus une prison. Et on arrive dans un avec un cheval d'ici, quoi. Vous avez réussi à détruire les trois gardiens. C'est très impressionnant. Pardon, ouais, je suis pas tout seul, hein. Je suis avec ta fille et Sophia. Tu peux me donner le pare-chaud? Oui. Suivez-moi, s'il vous plaît. Gardez l'œil ouvert pour Durnevir. Maintenant que la barrière de la prison est brisée, il va certainement venir voir ce qui se passe. D'accord. Bon, bah, je sais pas s'il faut aller là. I think I need to go to bed after all thing. Care to join me? Oh, no. Ah bah je vais avancer, ça a l'air d'être gênant. Attendez, j'entends quelque chose. Oh oui, le dragon. Fin dragon. Allez viens Durendir. Tu me fais zéro dégâts moi. Par contre tu manges. Moi, je te mets ta race. Et ça fait guerrier mage de ouf quand même. Je peux te looter? Je veux pas te looter. Allez, on va faire le truc, le mec sympa, tu sais. T'as rien fait, je vais venir te healer un peu. Mais je n'aurais jamais cru assister à la mort de ce dragon. Bah écoute. Pardonnez mon étonnement, mais je n'aurais jamais cru assister à la mort. Ouais, de ce je sais, ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Des volumes traitant de Durnevir affirment qu'il ne peut être tué par des moyens habituels. Apparemment, ce n'est pas exact. J'ai fait de la magie quand même. À moins que... Je ne suis pas habituel. Continue. L'âme d'un dragon est aussi résistante que sa peau d'écaille. Il est possible que votre coup mortel n'ait fait que chasser la forme physique de Durnevir pendant qu'il se reconstitue. Bah écoute, c'est vrai. Combien de temps? Quelques minutes? Quelques heures? Quelques années? Je n'en ai aucune idée. Je suggère que nous n'attendions pas pour le découvrir. Maintenant, récupérons le parchemin des anciens et vous pourrez repartir. Ouais. Alors, on a tué la partie physique. Allez, marche! La cour, c'est parfait. Ma mère est toujours en vie. Merde. Enfin, façon de parler. Ah vache, j'ai pris tout ce qu'il y avait autour. J'ai ça avec des gars. Soit toujours en vie. Façon de parler. Par chaud, je peux le prendre. J'ai toujours du mal à croire que ma mère est toujours en vie. Soit toujours en vie, enfin, toujours. Façon de parler. Maintenant que vous avez le parchemin des anciens, vous devriez vous mettre en route. Voici ici. Je n'ai pas le choix. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis une fille de Port du Froid. Ouais. Si je repars en Tamriel, Archon aura plus de chances de réussir à réaliser la tyrannie du soleil. Votre aide serait la bienvenue, ouais. Bien qu'il me soit très douloureux de vous renvoyer, Serana et vous, tout seul là-bas, je ne peux pas prendre ça. S'en fout, vas-y, viens. N'oubliez pas qu'on ne peut pas faire confiance à Archon. Peu importe ce qu'il promet. Il vous trompera pour obtenir ce qu'il veut. Et promettez-moi que vous protégerez ma fille. Bien sûr. C'est la seule chose à laquelle je tiens. Elle travaille pour moi, donc je la protégerai. Oui, elle travaille pour moi. Pas avec moi, elle travaille pour moi. Ici, invoqué. Foutage de gueule, là, sérieux. Putain, faut que je vise mes pieds quoi. Pour invoquer mon machin. Je peux même pas, putain. Cheval de merde. La sortie est où? Déjà, c'est quelle direction?
Mais ouais, je suis perdu moi. On va essayer par là. Alors, c'est pas ça. Par là. C'est pas ça. Par là. C'est pas ça. Par là, ça y est. Ah, j'ai même... Et putain, il y avait la flèche en plus, quel con. Ah, et je vous flûte. Les runes permettent de créer. Oh, cool. Rengaine tes armes. D'accord. Je souhaite m'entretenir avec toi, Quanaharin. Oui. Je pensais que t'avais perdu la vie. Maudit, pas mort. Contraint à exister sous cette forme pour l'éternité. Coincé entre Laas et Dinoc. Entre la vie et la mort. Pourquoi parlons-nous ? Je crois au respect entre guerrier et aguerri. Et pour moi, tes oreilles sont dignes de recevoir mes paroles. D'accord, je suis enfant dragon. Ce jour. Mes griffes ont lacéré la chair de nombreux ennemis. Mais je n'ai jamais été vaincu sur le champ de bataille. J'ai pas forcé. Ainsi, je te nomme Quanaharin, ou vainqueur dans ta langue. Quanaharin, cool. Je vous trouve aussi tout estimable, tout aussi estimable. Ouais, c'est clair. Tes paroles m'honorent. Si je désire m'entretenir avec toi, Quanaharin, c'est en raison de l'issue de notre combat. J'aimerais humblement te demander une faveur. Bah, je t'écoute. Ouais, quel sens ? Depuis des temps immémoriaux, je parcours le cairn de l'âme et sers malgré moi les maîtres idéaux. Avant cela, je parcourais les cieux de Tamriel. C'est là que je souhaite retourner. Qu'est-ce qu'il va y faire en Tamriel aussi ? Et qu'est-ce qui t'arrête déjà ? Je crains que le temps passé ici ne m'ait imposé un lourd tribut. Je suis lié à cet horrible endroit. Si je m'éloignais du cairn de l'âme, je perdrais ma force jusqu'à n'être plus rien. Ah, donc tu vas mourir. Donc comment je peux t'aider ? Je te confierai mon nom. Et te donnerai le droit de m'invoquer depuis Tamriel. Fais-moi cet honneur, et je combattrai à tes côtés en tant que Graz et Mazin, ton allié. Et je t'enseignerai T'es sérieux? Je dois juste dire votre nom à Tamriel, c'est tout. Pour toi, peut-être. Pour moi, cela signifierait beaucoup. Bah, avec grand plaisir. Je n'attends pas de réponse, Quanaharin. Prononce simplement mon nom vers le ciel lorsque le moment sera venu. Oh, c'est classe. Ok. Oh, on va continuer un petit peu l'épisode, j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ça, mais en même temps... Malédiction, invocation de Durendia. Oh, la vache. Cri. Juste, on en est où dans les cris? Déferlement. Déferlement, déferlement. Là. Alors, bon, on va l'acheter, on va le déverrouiller. On a 12 âmes. Entends ma voix et viens vers moi, sors du calme de l'âme. J'invoque ta présence car j'ai besoin de ton aide. Malédiction, jamais mourant. Alors, on va... dépenser toutes les âmes, on va essayer les trois. Putain, faut qu'on le fasse, mais pour le prochain épisode, ouais, je sais. Les animaux sauvages, on s'en fout. Hein. Ok, oh, c'est méchant. Oh, je l'ai pas mis en favori. Magie, cri, il est là, en favori, cache. Oh, chier, bon, on fera ça pour le prochain épisode. Moi, je le tournerai un peu plus tard, après le rugby, si je peux.
Et ouais, je sais, je vous fais un gros cliffhanger. Je veux absolument voir ça aussi. Je vous fais l'épisode 156 du coup. C'est bon. L'épisode 156. Je crois que je me trompe pas. 2, 3, 4, 5, c'est ça. Allez, bref, ciao tout le monde. Ous. Venez, il est temps d'entrer. Ah bah, on rentre.